Ok, salut tout le monde, c'est Enzo l'aventurier. Donc là on se retrouve pour une vidéo chasse aux champignons. Donc voilà, donc là on a deux sacs. Donc voilà. Donc ah, il y a une voiture. Donc voilà. Donc là, petite vidéo. Oui, il y a des voitures qui passent, ça va être le problème. Donc là on va descendre tout droit par là. Donc on va vous montrer un peu l'endroit. Donc là on descend tout droit là. Ça va. Bon, on se retrouve dès qu'on a trouvé un champignon. À là, toute. Magnifique cep. Hop là. Hop. Regardez, il est beau. Vas-y. Hop. Je vais couper le pied. Donc, couper les pieds directement sur place. Comme ça, les pieds. S'il a ce que je peux. Oh! Non, ça va. Non, ça va, il est bien. Il est bien. Donc là, on le met directement dans le sac. Et puis, on se retrouve au prochain champignon. À toutes. Voilà. On est épuisé. Oh oui, qu'est-ce qu'il y a, ça? Donc voilà. Donc... on va pas retrouver de champignons. Enfin si, on a trouvé un petit bolet brun. Mais malheureusement pour nous, ben, le pied était véreux. Et du coup, voilà. Bon, je peux peut-être vous montrer un petit truc là. Attendez que... Voilà, là. Vous voyez juste ici, là. Là. Voilà. Un magnifique champignon. Mais bon, c'est pas mangeable. Donc voilà, donc on se retrouve aux champignons. Ah. Là, là il y a un cep juste ici. Allez, ça va faire le deuxième. Là il y en a un autre là, mais il est mort. Enfin, il est vieux. Ok. Oh, putain, il est gros. Regarde ça. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfaitement beau. Oh, 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 oh putain. Regardez. Il est beau. Il est pas véreux. Il n'y a rien. Ouais. Eh ben ça, ça va dans le sac. Et puis on se retrouve au prochain champignon. À toutes. Ah, donc petit truc. Donc là, j'ai pas attendu pour une. Après les autres, là je vous ai attendu. Mais bon, on fait déjà une petite. Donc là, on la met dans le sac. Oui, il s'est cassé, mais... Oh merde, j'ai failli la... Oh merde, oh merde. Bon, bref, vous voyez, là on en a pas mal. Qu'est-ce que c'est? Elle devient folle. Ça y est, le... Oh, elle est belle, oh. Oh, c'est les premières girolles qu'on trouve, hein. Après on a... Ah non, elle a le véreux ou pas? Non, elle m'a pas l'air véreux. Donc ça va. Après, là on a celle-là. Bon, elles sont un peu... Alors si elles sont blanches, ouais mais celle-là elle est trop abîmée. Si elles sont blanches, certes... Alors celle-là elle est moisie même. Si elles sont blanches en fait, c'est pas forcément qu'elles sont vieilles ou pas. C'est que juste, elles n'ont pas pu avoir... Frère, viens, 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 viens. Regarde. Regardez-moi ça. Donc je disais, j'ai une grappe. Regardez. Donc, du coup, en fait, si elles sont blanches, c'est pas qu'elles sont vieilles ou pas. C'est juste, en fait, qu'elles n'ont pas eu la lumière qu'il leur fallait pour avoir de la couleur. Donc, c'est pareil pour tous les champignons. S'ils n'ont pas assez de lumière, par exemple ici, bah... Il n'y a pas forcément beaucoup de lumière. Hein. Vous voyez, on est entouré d'arbres, de gros arbres et tout, qui rebougent tout. Et du coup, bah, c'est... Mais ça va, elles sont jolies. Je suis content. Donc, voilà. Donc là, on récolte tout. Et puis, là, vous voyez, on est ici. Là, là on est au village. Et tout à l'heure, on était loin, 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 là-haut. Très loin. Et du coup...
Ouais, voilà. Ah, on nous appelle. Bon, c'est pas grave. Je suis désolée si dans le si dans la vidéo, ben, y aura un truc. C'est chiant. Qui c'est qui répond? Enfin, c'est chiant quoi, parce que les gens, on est en vidéo, les gens nous appellent. Bon, ah putain. Bon, c'est pas bien grave, je suis vraiment désolée pour ça. Mais bon. Bon, mets-le en mode avion. Donc là, on va continuer. Oh, mais il y en a plein. Oh, ton père, il va être... T'es fou. Non, là, je suis au bon. Donc là, on en a encore une autre. Non, John, tu t'es pas allongé dessus quand même. Non, j'espère pas. Non, c'est bon, elle s'est pas allongée dessus. Bon, ça va. Parce que si elle s'était allongée dessus, ben. Voilà quoi, on est un peu. On aurait perdu. Mais non, là. Non, John, va là-bas. Sinon, je te plante. Non, je suis dans. Je dis ça, mais je vais jamais le faire. Hein. Elle peut me chier à la gueule que je le ferai pas. Hop là. Ah, mais là, il y en a plein. Donc, c'est vraiment important. Vous voyez, ici, j'étais déjà venue la semaine ou l'avant-semaine dernière. Et j'avais coupé les pieds sur place. Et du coup, ben, y a tout à repousser. Tout à repousser. Vous voyez, là, il y a encore les pieds de la semaine dernière. Donc, j'étais avec le gars du maquis. Donc, allez, vous abonner à sa chaîne YouTube. Il a fait deux nouvelles vidéos. Une avec moi, donc Enzo l'aventurier. Et une vidéo anniversaire. Je vous en dis pas plus si... Je vous en dis pas plus parce que si vous allez la voir, vous êtes complètement spoilé. Oh non, je suis tombée. Et du coup, ben voilà, ben, je serai spoilé. Là, voilà. Ah oui, c'est le pied de tout à l'heure, ça. Oh, il y en a beaucoup. Hein. Aussi important, quand vous essayez un petit truc comme ça, vous prenez votre main, terre. Voilà. Bon, ça va, elle est en assez bon état. Si je coupe le pied là-haut à ras. Ouais, donc on fait là. Donc quand vous êtes sur un petit champ comme ça de petites viroles, vous prenez votre main, voilà. Et vous juste vous raclez un peu avec votre main les herbes pour que les herbes se retirent et que vous puissiez accéder aux giroles qui se trouvent éventuellement ben, en dessous. Non, ça c'était un pied. Donc voilà, donc là, regardez, jolie petite girole. Là, on en a une belle, regardez-moi ça. Elle est jolie, hein. Putain. Hop. Ah oui. Ouais, il y a des gens dans le village. C'est chiant. Donc, on va les poser juste ici. Comme ça, vous pouvez les voir. Donc voilà, elles sont belles. Il y a des gens dans le village, donc ça crie, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On peut rien trop y faire. Hein. Ça là, il est petit. Hein. Regardez, une petite merdouille. Mais bon, on sauve un peu la journée. Hein. Et puis après, on va aller à un spot que je connais encore. Donc, on vous met. Alors, on va filmer en accéléré. Hein. On va un peu marcher et on vous filmera en accéléré. Comme ça, puis, c'est fou. Bah, oh, celle-là, elle est jolie aussi. Regardez. Bien joli, j'ai coupé le pied. Donc on va se retrouver dès que j'ai fini de tout récupérer. À mon petit spot, comme je vous avais dit, regardez, j'arrive. Regardez ce qu'on m'offre. J'arrive sur un plateau d'argent limite. Vous voyez? Ah, oh, la branche juste ici, là, celle-là, là. Celle-là. Donc voilà, donc là je l'ai posé ici. Et hop là. Ah. Elles sont jolies. Oh, j'ai l'impression par contre qu'il y en a que deux. Ou c'est moi. Donc ça, c'en est une autre. Ouais, il y en a quelques-unes, mais bon. Là, mon caméraman, il a pas voulu m'accompagner. Oui. Je sais. Donc voilà. Donc là, on en a récupéré quelques-unes.
Donc là, voilà. Alors, ici, il y en avait la dernière fois. Sauf que là, il n'y en a pas d'autres. Ça m'étonne. Vachement même. Alors, attendez, on va voir juste ici. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir non plus. Hein. Attends. Vous voyez, hein. Ça rien. Enfin, vrai, il y a celle que j'ai trouvée tout à l'heure. Mais là... Regardez ça. Ils ont demandé l'eau. Ça, c'est la nature. En même temps... Ouais, d'où on est, hein. On est en pleine nature, quoi. Ouais. Eh ben, il n'y en a pas d'autres. Il y en avait quelques-unes, mais bon. Donc là, je vais vous aller quelque part pour voir. Mais tu peux quand même couper la vidéo, quoi. Donc là, le petit canif, le petit couteau qu'on va sortir dans la poche. Donc toujours couper les pieds sur place, c'est assez important. Et comme ça en fait les pieds vont pourrir et du coup ça va les faire repousser. Enfin, ça va faire repousser d'autres girolles. Et par contre, j'ai l'impression que c'est vraiment. Il y a vraiment. Oh non, là il y en a juste une là. Oh oui, je suis content là. Là je suis content. On va d'abord couper les pieds à celle-là. C'est bien comme ça. Du coup, je suis vraiment un baou, loup. J'ai fait tomber l'eau. Donc là, on va couper celle-là. Alors, si vous voyez que les girolles sont trop abîmées, détruisez-les. Enfin, n'importe quel champignon qui se mange, si il est trop abîmé, détruisez-les. Ceux qui sont abîmés, pour pas que d'autres personnes les récupèrent. Et les mangent parce que ceux qui sont abîmés justement ils sont pas vu qu'ils sont abîmés ils sont pas bons parce que il y aura les ils s'ils sont abîmés c'est qu'il y a eu les vers dedans et tout les larves et tout et du coup voilà donc on va se retrouver si j'en retrouve d'autres et au pire des cas on se retrouvera là-haut pour faire le débrief sur tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà, donc là on a fini les champignons. Donc voilà, donc là il y a une partie qui se trouve là-dedans. Il n'y a vraiment rien, pas grand chose. Et après il y a une autre partie qui est dans un autre sac. Donc on les a transférés dans un autre sac parce que je suis allé à un spot là-bas. Donc c'est vers la fin de la vidéo. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, partager et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller vous abonner au gars du maquis, le gars du maquis, ça dit comme ça. Et Philippe Cantoneau aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quand vous vous abonnez à moi ou aux personnes que je viens de citer, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, c'est très important pour suivre la fin des vidéos. Donc voilà, et c'est la fin de cette vidéo. Au revoir.